communion au quotidien. Bonjour amis, je vous remercie de nous accueillir pour cette nouvelle sortie de communion au quotidien pour ce mardi 12 juillet 2022. Veuillez prendre place, je vous souhaite la bienvenue. Nous continuons l'enseignement pour cette semaine sur le combat spirituel. Amis, le combat spirituel est bien réel. C'est un combat pour la foi et contre le péché. Paul a combattu le bon combat. Ce combat est important vu les enjeux. L'ennemi qui s'acharne contre l'humanité pour tenter de défier Dieu et son plan, c'est pourquoi il rôde autour des croyants pour les détruire moralement, les anéantir. La Bible dit que c'est un ennemi vaincu. Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, le péché, selon 1 Jean 3, le verset 8. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le rendant inopérant. Le Saint-Esprit a déjà scellé le sort de l'ennemi en enfer. Il est livré publiquement en spectacle et devenu impuissant. Tout ce que l'ennemi veut, c'est de perturber les croyants et détruire leurs témoignages, les persécuter, les tenter pour mieux exercer son pouvoir sur le monde actuel. Jean a dit que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Mais amis, que peuvent les croyants dans cette situation? Que peuvent les croyants dans ce combat? La Bible dit que nous pouvons résister pour ne pas nous laisser faire, ni donner accès aux malins. Et la Bible dit, si nous résistons, il va fuir loin de nous. Mais comment résister? Nous allons voir aujourd'hui cette première arme que Dieu met dans nos mains pour lutter et pour gagner. Oui, pour saisir cette victoire que Jésus a déjà gagné pour nous à la croix. Eh bien, ce matin, nous allons voir ensemble la première arme que Dieu met à notre disposition. Ce n'est pas la moindre. Ah oui, c'est comme la première pierre dans une construction spirituelle solide du combattant, du soldat. Paul prend en image le soldat romain, un guerrier redoutable, bien entraîné et bien exercé. Regardons le premier élément de son armement au verset 14. D'abord, la Bible dit, « Enfin, devenez forts avec la force toute-puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. » Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Le mot « résister » et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, la première arme, prenez la vérité comme ceinture. Amen. Amen. Le premier élément de l'armement du croyant, c'est la vérité comme ceinture. En général, le soldat place d'abord sa ceinture qui lui sert de base pour placer les autres éléments. C'est la ceinture qui supporte les autres parties. Regardez bien, le corps humain se tient debout par rapport à la ceinture. La ceinture est une arme défensive, mais c'est elle qui porte l'arme offensive, notamment l'épée. Ah oui, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, selon 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Mais qu'est-ce que la vérité? Quelle est cette vérité? La première arme du croyant pour son combat. Le mot vérité
vient de l'hébreu emet, emuna, et du grec aletheia, de l'araméen amen. Ces mots sont traduits par vérité, foi, réalité s'opposant à l'apparence, à l'erreur ou au mensonge. La vérité désigne ce qui est fixe, inébranlable. C'est la parole fiable, absolue, digne de confiance, digne de foi. Amis, notre Dieu s'appelle le Dieu de vérité, selon Psaume 31, le verset 6. Jésus a dit en Jean 17, « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité », dans sa prière adressée à Dieu le Père. La vérité, amis, c'est un attribut absolu de Dieu. Elle fait référence à la perfection de l'être de Dieu. Il est le vrai Dieu, le véritable, selon 1 Jean 5, le verset 20. Sa parole et sa révélation sont fiables. La Bible dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. » En Hébreux chapitre 6, le verset 18, il est dit qu'il est impossible que Dieu mente. Tite 1, le verset 2 nous dit, « Il ne ment point. » Amis, Dieu connaît les choses telles qu'elles sont. Il est la vérité dans un sens absolu, la source de toute vérité, tant dans le domaine moral que scientifique. Jésus a dit en Jean chapitre 14, « Je suis la vérité. » Jésus est la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité qui conduit le croyant dans toute la vérité et que le monde ne peut recevoir. Selon Jean chapitre 16, verset 13 et Jean chapitre 14, verset 16 et 17. La vérité dans ce passage est synonyme de l'intégrité, l'authenticité, la sincérité, la droiture de caractère. Un croyant est vrai, un croyant est authentique, un croyant est sincère et un croyant est droit dans son caractère. C'est la vérité appliquée et vécue. La vérité est contraire au mensonge, contraire à l'hypocrisie, contraire à tout ce qui gêne. La vérité consiste à dire les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'elles paraissent. Jean a dit que sa plus grande joie est de savoir que ses enfants marchent dans la vérité. Jésus répète plus de 29 fois dans les évangiles l'expression « en vérité, je vous le dis », comme pour insister sur la véracité de son enseignement. À rappeler que le combat spirituel est la guerre menée par l'ennemi contre l'âme du croyant. Eh bien, la vérité est capable de l'anéantir. La vérité, c'est la pensée de Dieu révélée aux hommes pour leur salut, tant par le moyen de l'intelligence et de la conscience que par le moyen de l'évangile. En 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, la Bible dit que « Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est la première arme que le croyant est appelé à saisir et mettre à sa ceinture. La vérité est une arme aussi fragile. Tout défaut ou déficit à la ceinture conduit à la déchéance. Dès que la vérité n'est pas à sa place, inutile de vous dire que la construction devient faillible. C'est pourquoi il y a de faux croyants. Normalement, si vous croyez au mensonge, la Bible dit que vous croyez en vain, selon 1 Corinthiens le chapitre 15. Or, le Dieu de ce siècle, parlant de Satan, il aveugle les pécheurs pour les empêcher de croire à la vérité. C'est une caractéristique de notre temps. On refuse de faire face à la vérité. Jésus a dit, voilà pourquoi les hommes refusent de venir à la lumière. Ils ne veulent pas que leurs mensonges soient révélés. Et l'homme naturel est incapable de reconnaître et saisir la vérité. Tandis que seule la vérité libère. Le croyant est aussi vrai. Le croyant est vrai, ami. Seule la vérité libère. C'est la vérité qui libère. Le mensonge condamne.
Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Paul a dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. Et c'est pourquoi, même en face de Pierre, Paul a tenu au maintien de la vérité de l'évangile. En Galates chapitre 2, le verset 5. Et l'Église est appelée colonne et appui de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Je vous dis la vérité et toute la vérité. Attention à ceux qui retiennent la vérité captive sous prétexte de vous protéger. Bien au contraire, ils vous mettent en grand danger. Et vous savez, Dieu vous en redemandera, car la vérité, c'est la première arme de combat du croyant. Prions, amis. Père, nous t'adorons ce matin pour ce que tu es, le Dieu de vérité, le Dieu de vérité. Je te dis merci, puisqu'en toi, il n'y a ni mensonge, ni rien de semblable. Je bénis ton nom ce matin pour Jésus-Christ qui est la vérité. Je te glorifie pour le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la vérité. Je te remercie pour le combat que tu as déjà gagné en faveur de chaque croyant. Je célèbre ton nom pour toutes les armes que tu mets à notre disposition pour pouvoir saisir notre victoire déjà remportée à la croix. Et que comme croyants, nous devons juste résister et nous tenir dans la vérité pour faire face aux attaques mensongères de l'ennemi. Père, conduis-nous dans ta vérité. Que la parole, que ta parole remplisse notre vie afin que nous sachions comment identifier l'ennemi et répondre à ses attaques par la vérité de ta parole. Arme-nous de courage pour rendre témoignage à la vérité, afin que plus d'hommes et de femmes possibles puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Nous te rendons action de grâce pour le foyer de communion. Que l'influence de ce service gagne des cœurs à la cause de l'Évangile. Qu'à travers le foyer de communion, tu suscites une équipe selon ton cœur pour la formation de disciples. Nous prions pour Hebdo 66, pour communion au quotidien, pour la prière Bible en main. Que ces organes révèlent Jésus à des cœurs et que le plus d'hommes possible parviennent à la connaissance de la vérité. Nous prions pour toutes les personnes touchées par notre service. Que ton Saint-Esprit touche chacune d'elles à nouvelle naissance, à sanctification, à vie abondante, à exaucement. Nous prions pour l'influence de la famille chrétienne en Haïti. Nous prions pour l'œuvre de l'Évangile en Haïti et dans le monde. Que les cœurs viennent à la repentance par la proclamation de la vérité de ta parole. Notre famille est entre tes mains. Que nous sortions victorieuses de toutes les attaques mensongères, meurtrières, calomniatrices de l'ennemi. Au nom divin de Jésus, nous les déclarons illégales, illégitimes et sans effet. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Amis, nous avons intérêt pour nous prendre des âmes, bon Dieu. Yo. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes goumés, nous sommes en bataille là. Et il faut que nous victorieux. Seule façon pour nous victorieux, c'est pour nous résister face aux assauts de l'ennemi. Les livres avec mensonge là, il faut que nous capables de quimber la vérité. Pour nous dire non, ce n'est pas sa parole, bon Dieu dit. Mais ça, bon Dieu dit. Ça, bon Dieu dit, c'est lui-même qui est vrai. Même si cœur t'a décidé, bah on menti. Faut qu'on apprenne dit cœur. Mais ça bon Dieu dit. Parce que cœur capable tortueux. Mais bon Dieu c'est la vérité absolue. Il pas de mensonge dans lui. Moi souhaite une journée bénie. Une journée de combat victorieux au nom de Jésus. Excellente journée à tous. Amen.